À quelle heure il commence le film? Dans un quart d'heure à peu près. C'est quoi le dernier film qu'on a vu avec Lindon? La loi du marché. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'était génial hein, quand même. Oui, c'était bien. Ouais. De toute façon, il fait partie de ces acteurs qui paraissent engagés. On se sent proche de ce type, tu vois. Humainement, en tous les cas. Oui. Tu crois qu'on partage toujours les mêmes valeurs? Moi, j'en suis convaincu. Regarde dans Welcome. Il apprend à un gamin à nager pour qu'il puisse traverser la Manche. Eh bien, ça, c'est une forme d'engagement, de solidarité. Mais bon, à la fin, le gosse, il se noie, hein? Mais c'est pas ce qu'on doit retenir. L'important, c'est l'idée. C'est l'idée d'aider l'autre, d'être toujours du côté des plus faibles. C'est ça, l'important. Ouais. Et puis, moi, physiquement, moi, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Vincent Lindon? Oui, moi. Non, mais tu rigoles ou quoi? Pas du tout, mais moi, son côté authentique me touche énormément. Ouais. Ben, énormément, c'est un peu excessif, à mon avis. Le fait qu'il ne cherche pas à plaire fait la différence à côté de tous ces acteurs superficiels. Il cherche pas à plaire, cherche pas à plaire. Qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Rien du tout. En plus, tu fais ta nymphe de l'Armousier, là. Qu'est-ce que c'est, ça, encore? C'est une chenille qui tombe amoureuse de type qu'elle connaît même pas. Voilà ce que c'est. Bon, moi, j'arrive pas à te suivre, là. Et moi? Je suis superficielle? Ah non, mais je parle de cinéma, je ne parle pas de toi. Non, mais admettons. Admettons que je sois acteur. Eh bien, tu dirais quoi? Auriez-vous un peu de monnaie, monsieur dame, s'il vous plaît? Une petite pièce? Je n'arrive pas à t'imaginer un acteur. À cause de mon physique, sûrement. Mais écoute, tu es plutôt réservé, tu n'aimes pas les jeux et tu as horreur du karaoké. Ah, parce que le karaoké, c'est un tremplin pour faire du cinéma. Mais je rêve. Auriez-vous un euro ou deux? C'est pour manger, monsieur dame. Tendre la main vers son frère, c'est faire de ce monde une grande famille. Ce monde d'une famille? Mais vous savez pas que couper la parole, c'est très impoli. C'est parce que j'ai froid. La rue est un monstre qui dévore les plus faibles. Mais nous aussi, on est dans la rue pour l'instant, hein? Écoute, donne-lui une pièce et on rentre. Oui, oui. Donne-lui. Attends. J'aimerais bien que tu répondes à ma question, maintenant. Hein? Bon, d'accord. Le karaoké, c'est un mauvais exemple. Ah, d'accord. Voilà. Le karaoké. Pourquoi pas le canevas, tant que tu étais? Mais franchement. Non, mais là, j'ai l'impression que tu me fais une crise de jalousie. Non. Ah ça ben. N'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec la jalousie. J'essaie de comprendre, d'analyser. Ah, analyser. Et analyser quoi? Tenez-vous, par exemple, Vincent Lindon. Comment vous le trouvez par rapport à moi? Qui ça? Qui ça? Vincent Lindon, l'acteur qui a joué dans la loi du marché. Par rapport à moi. Alors Vous n'êtes pas très costaud pour être un acteur... Les gens chétifs, rabougris comme vous, chauds, n'y prennent jamais. N'importe quoi, chétifs, chauds, ça n'a rien à voir. Alors? Ben, je vois pas qui c'est, ni jeune ni les vieux. Mais ni l'un ni l'autre, il est ni jeune ni vieux, peu importe. Ben, aucune idée de la tête de ce Gus. Ce Gus, comme vous dites, en 1989 a eu le prix Jean Gabin. Et en 2005, meilleur acteur au festival de Cabourg, au festival de Sarlat également. Oui. En 2013, il préside le festival États-Unis de Deauville. Oh oui, mais ça. Oui. Palme d'or du meilleur acteur au festival de Cannes. Et il a à son actif une quarantaine de longs métrages. Quatre fois nominé au César, il est quatre fois nominé au César. Il obtient un film pour la loi du marché. Il a à son actif une quarantaine de longs métrages, oui. C'est un comédien charismatique, engagé, reconnu par ses pairs comme un des meilleurs acteurs de sa génération.
à peine 58 ans. Hein. Il est aussi scénariste et réalisateur, monsieur. Eh oui. Je vois pas. Pas plus de Vincent Lindon que de Saint sur la Lune. Mais parce que vous ne vous intéressez à rien. Non. Mais ce type, il est sûrement contre la faim en Somalie, contre l'excision, la lapidation, contre les maladies orphelines, la loi travail, contre les pesticides, pour le retour du Dalai Lama près des siens, pour la reconnaissance des pieds verts en zone humide. Il est engagé. Vous comprenez ce que ça veut dire engagé? Allez, où? Voilà. Là. Oui, je crois qu'on a compris, là. Très bien, même. C'est l'abbé Pierre du cinéma, la mère Teresa du 7e art. C'est sa fan de la première heure. Sa groupie numéro 1. Oh là là là, mais c'est pas vrai, ça. Mais quand je m'intéresse à quelqu'un, je le fais correctement. Mais ça, voilà. Quel sens du devoir, quel dévouement. Ben, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être cultivé. Nous, on se nourrit de soupe, non de beau langage ni de beau discours. Pardon, c'est Molière qui a dit ça. Molière. Mais on parle de Vincent, pas de Molière. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Il est mort et enterré depuis des lustres. Oh, mais oui, pourquoi pas Rodin, tête en cogné. Rodin, le maire de Marseille. Rodin. En parlant de Rodin, il est extraordinaire, ce film. Oui, je crois qu'on a compris, là. Hein? Il est magnifique, splendide, universel, orgasmique même en ce qui te concerne. Mais figure-toi que moi, pour aujourd'hui, j'ai eu ma dose de Lindon. Hein? Mais écoute, moi, je n'ai même plus envie d'aller voir ce film, hein, à cause de ta jalousie ridicule, là. Parce que tu crois que j'ai envie d'y aller, moi, hein? Tu vas finir par me dégoûter du cinéma, oui? Moi, j'irai bien au cinéma. Pouah! Au chaud? Écoutez les hommes, vous racontez le monde. Oui. Mais en quoi ça servirait? Chaud. Mais vous ne connaissez même pas Vincent Lindon. Bon, écoute, moi je rentre. Non, je n'en peux plus. Moi aussi je rentre. J'en ai marre. Bonjour, soirée. Petit billet. Ah, ça va, non? Assez donné. Mmh.